Allez, on fait le point sur les essais 1 et 2 qui ont eu lieu aujourd'hui à Portimão pour le Grand Prix du Portugal. Donc je m'excuse pour la qualité audio qui est un peu moins bonne que d'habitude parce que je suis en déplacement, j'ai pas mon casque avec moi. Petit aparté terminé, donc on passe au classement des deux sessions. Bottas devant Hamilton, 3e pour le Finlandais quand même. Verstappen 3e devant Leclerc, en forme hein, le pilote Ferrari. Albon 5e devant Sainz, Perez, Kimi Räikkönen, Ricciardo 9e devant Pierre Gasly. 11e Vettel, toujours en difficulté, le pilote allemand, ça change pas. Lando Norris 12e, Kvyat 13e, Kevin Magnussen 14e, devant Stroll 15e, en petite forme le pilote canadien pour son retour. Giovinazzi 16e, devant Grosjean 17e, Russell 18, 19e Ocon, oh là, quelle séance pourrie pour Esteban, 19e seulement. Latifi du coup, dernier avec sa Williams, comme souvent. Pour la séance 2, Bottas 6 dixièmes quasiment. Oui, Hamilton, j'ai pas regardé la séance 2, 8e seulement. Oh, qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote anglais? Coup dur pour l'anglais. Donc Verstappen 2e à 6 dixièmes, Norris 3e à 8 dixièmes, devant Leclerc 9 dixièmes, Sainz 5e devant Vettel, il y a du mieux pour le pilote allemand, Gasly 7e, Hamilton 8, Esteban Ocon c'est mieux 9e devant Albon 10, c'est pire pour Albon par contre. George Russell 11e sur la Williams, étonnant qu'il soit si bien placé, le petit Russell. 12e Perez devant Ricciardo. Latifi 14e, les Williams qui ont roulé avec peu d'essence, hein, c'est pas possible autrement. Kimi Räikkönen donc 15e. Magnussen 16e. Kvyat 17e devant Grosjean 18. Lance Stroll 19e. Et Giovinazzi dernier, le pilote Sauber Alfa Romeo. Bon bah écoutez, sur ce, je vous retrouve demain pour les autres séances du coup. Des essais 3 et les qualifs, et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.